Salut à tous, ici le Stéphane, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ici, nous donnons des formations en trading, en crypto-monnaie. Ces formations sont généralement pour une acquise. Tous les BABA, c'est généralement gratuit. Alors, les liens sont dans la description. Comment acheter les crypto-monnaies et pour prendre position avec ce halving qui est en cours. Comment aussi faire du trading futur parce que c'est un métier purement enrichissant. Et comment aussi faire des ventes. Comment vendre avec une petite formation. Alors, il y a ce sujet, l'outil Cashmere System. Voilà, tout est dans la description. Pour tous ceux qui désirent prendre la clé et encaisser 17 500 plusieurs fois par jour. Oui, avec cette formation, tu sais comment créer un site, comment créer une page Facebook, une page publicitaire Facebook, comment faire ce qu'on appelle le développement personnel, voilà, un coaching accompagné, comment entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, comment sortir de sa zone de confort. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de leaders qui sont dans leur zone de confort, qui ne savent pas comment s'exprimer, comment entrer dans le monde de leadership. Alors, tous ces outils-là vont vous vraiment aider à sortir de vos zones de confort et de passer à l'action. Alors, tout est dans la formation. Donc, passez à l'action. Sur ce, nous allons faire notre pari de la journée d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, le match, c'était Martini. Bon, Martinica, un truc comme ça, un nom bizarre là. Martini. Dit quelque chose là-bas. Donc, je ne maîtrise pas bien. Ok, donc nous allons vérifier d'abord le match. Voilà. Ok, donc nous allons écrire ici, on va y entrer le nom de l'événement. Donc on met Maritimo, c'est le match qui est Maritimo. Ok. Il faut bien écrire Maritimo. Marie. Voilà, on suffit d'écrire un peu et puis le reste du mot sort. Voilà, donc Maritimo Santa Clara. Alors, le score d'aujourd'hui. Le score inverse, c'est celui-ci. Maritimo 0, Santa Clara 3. Chose qui risque fort probable de ne pas se produire. Voilà, donc voici ça. Nous allons cliquer sur confirmer. On clique sur confirmer. D'abord, on tape sur le match, on choisit tout. Et puis on clique sur confirmer. On confirme. Le pari est ainsi fait. Alors, voici comment ça se passe. Pour tous ceux qui désirent faire la configuration. C'est très important la configuration. Je vais donner un bref aperçu puis je vais envoyer une autre vidéo pour montrer comment faire la configuration. Alors je clique ici sur info. Voilà. Voici le cheminement de la configuration. Ces étapes ne sont pas trop compliquées. Mais ici, c'est ce qui est le plus compliqué. Comment faire le mot de passe et puis le code de retrait. C'est les deux là qui sont un peu complexes. Mais je vais vous expliquer. Arrivé à ce stade là, tu vas mettre le cela, c'est pas compliqué. Tu mets ton nom, le numéro WhatsApp, le numéro Telegram, le numéro de téléphone et puis ton mail. Mais ici, tu sautes ça d'abord. Tu viens ici. On dit ici, tu choisis comment créer le code de retrait. Tu cliques dessus. Voilà, on te donne l'opportunité de mettre ton code de retrait. Dès que tu fais le mot de passe, tu mets confirmer. Tu confirmes, on te génère une étape qui te soumet des questionnaires. On te demande ton numéro chanceux ou bien ton nom d'anniversaire ou bien le nom, l'anniversaire de la personne que tu aimes. Tu choisis puis tu réponds. À ce stade, quand tu vas finir de répondre, ils vont te générer maintenant le code de retrait. Voilà, le code de retrait. Là, c'est toi-même qui casse. C'est un code à 6 chiffres. Voilà, une fois que tu finis de valider ça, tu viens ici. Mot de passe. C'est le mot de passe maintenant. Qui va, on te demande de mettre le mot de passe qui t'a permis de créer le compte. Tu mets ça. Ensuite, on te pose encore un questionnaire. Tu choisis la question, par exemple, quel est votre numéro chanceux? Tu choisis la même réponse que tu as mis ici. La même question et la même réponse ici. Tu fais confirmer, c'est validé. Bon, je vais faire une vidéo pour être encore plus clair parce que j'ai été un peu plus explicite et les gens n'ont pas compris. Voilà, sinon, c'est ici que tu commences d'abord, le code de retrait. Mais avant de faire le code de retrait, on te demande
de mettre le mot de passe qui t'a permis de créer le compte. Une fois que tu mets le mot de passe qui t'a permis de créer le compte, on te génère maintenant un questionnaire. Choisis ton numéro chanceux. Tu choisis, tu mets le nom, le numéro chanceux ou bien ta date d'anniversaire. Dès que tu mets maintenant, on te demande de générer le code de retrait. C'est le code de retrait à 6 chiffres maintenant. Une fois que tu fais, tu valides. Maintenant, tu viens ici, tu choisis. On te demande de mettre ton mot de passe. Tu mets le mot de passe. Ensuite, tu valides. C'est comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Ça, c'est la configuration. Maintenant, le moyen de retrait par USDT. Parce que généralement, il y en a qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Voilà. On dit gestion USDT. Tu viens ici. Gestion USDT. C'est simple. Bon, pour moi, je dis ami. Voilà. Sinon, quand tu cliques ici, on te demande de créer un nom. Tu choisis le réseau. Il y a Ethereum et il y a USDT TRC20. Le réseau Tron. Donc, tu choisis Tron. Tu demandes copier ton adresse. Tu viens coller ici. Tu colles dans la partie et puis tu fais ajouter. C'est fini. C'est pas compliqué. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer. Sur ce, veuillez liker et commenter. Voilà. Toutes vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas surtout à rejoindre la grande famille. Nous sommes près de 1000 à participer au système. Sur ce, c'était le leader Stéphane. Créez votre compte et commencez à encaisser. Vous pouvez passer de 10 000 à 1 million en pratiquement en moins de 7 mois. L'intérêt composé simplement. Je ne te dis pas d'attendre ces 7 mois pour faire un retrait. Chaque jour, on fait un retrait. Seulement quand tu crées le compte, on te donne 4-3 jours de pari sans pouvoir faire de retrait. On te demande de compléter le capital. C'est après 3 jours que tu pourras faire le retrait. Donc le 4e jour, tu peux lancer ton retrait. Les retraits sont vraiment extraordinaires. Tous nos retraits passent à merveille. Et on bouffe. Voilà. Parce que ça bouffe. Ça, il n'y a rien à dire. Ça bouffe. Vous voulez que je vous en montre? Il y en a. Voilà. Donc je clique sur retrait ici. Il y en a plein, 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 plein. Tout ça, c'est des retraits. On en bouffe. Donc, c'était le leader Stéphane. Ciao, ciao.